Instant Snowflake, pour servir, on se retrouve sur une vidéo avec du contenu, beaucoup de contenu. Non, je déconne. Ah, vous avez vraiment cru que j'allais faire du contenu pour une fois, mais non, 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 je fais mon comics et allez vous faire. Donc, on se retrouve sur du comics, sur Elsewhere, l'épisode 3, que je n'ai fait que toute une après-midi pour traduire. Là, c'est pas de ma faute, je bosse. Alors, je passais toute une après-midi à le traduire, je passe du temps à vouloir le faire parce que bah, je tiens que ce soit bien fait, et surtout ce qui me fait bien rire c'est je me suis dit, hier je le fais, je l'ai pas fait parce que je suis en FK, enfin je suis en train de jouer avec des potes, avant-hier je me suis dit, je vais le faire aussi, enfin bref, vous avez compris le truc, à chaque fois je dis, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, mais à chaque fois ça fait, je peux pas, enfin bref, donc il est 10h du matin environ, et putain, en fait, ça fait 6 fois, je crois, comment ça me fait couille. Alors, je préviens tout de suite, il y a quelques mots vulgaires, donc si vous regardez ça avec quelqu'un qui est très très jeune, ne vous montrez pas. Je peux pas dire juste une seule grossièreté, mais on sait jamais si le gosse en question est très con et que il regarde mes vidéos et qu'il sait que je dis des insultes, bon, c'est bien, mais s'il ne dit pas devant ses parents. Donc voilà, c'était vous qui pour vous savez, on se retrouve pour la suite de l'épisode parce que c'est la suite du comics. Ah 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 ah, faut arrêter les blagues. Cet endroit à proximité de la voie navigable souterraine dont elle apparaît. Ce qui dit, si ce que dit Dynamo est correct, ce domaine est l'endroit où le manoir de mon père était. Il n'y a presque aucune trace de nom ancien, moi. Et je suppose que c'est évident. Tant de temps a passé. Et tout le monde est mort. Sauf moi. Il n'y avait pas de survivants, sauf ce gamin qui fuyait le manoir. C'était déjà après que quelqu'un les ait éliminés. Mais nous avons réussi à saisir beaucoup de choses qui semblaient précieuses, alors ne soyez pas si fâchés. Ce gamin maigrichon ne servira pas beaucoup de valeur, mais peu importe. Vendez ce gamin au marché des esclaves. Mais, et toi là-bas, qui penses-tu te promener dans cet endroit? Si tu as des problèmes, veux-tu que je t'aide? Il a l'air tout à fait suspect. Ça va, surveille tes affaires. Eh, le morveux, il est impoli de le refuser la générosité de quelqu'un comme ça. Je vois ça me sentir mal. Bien, je vais te laisser cette petite chose glisser si tu me donnes ce que tu as. Ce morceau de métal flottant à côté de toi a l'air très bien. T'as un bandit après tout. Vas-y, mais prends-le. Hein. Hey, remets ce que tu as avant de partir. Bon sang, tellement ennuyeux. Ah, et qu'est-ce que tu crois faire? Je n'ai pas vraiment quoi que ce soit. Puisse au moins remettre tes vêtements que tu portes. Remets-les si tu apprécies ta vie. Merde, je n'ai jamais combattu quelqu'un auparavant. Pourquoi tout se passe mal comme ça? Hé, tu es juste aussi faible que tu en as l'air. Comme c'est dommage pour toi. Mais je ne peux pas te laisser partir. Tu devrais le savoir maintenant, mais il n'y a pas besoin de faible dans cet endroit. Au revoir, sale gueule. Dit Namo. Arrêt, réponse d'attaque, situation terminée. Hein? Qu'y a-t-il avec cette blessure, Ad? Est-ce à cause de ce que Echo a demandé? Ce sont mes outils. Qu'est-ce que tu essayes de faire avec mes outils? Oui, la raison de se faire tuer est simple. C'est simplement à cause de la faiblesse. La raison pour laquelle ma famille a été tuée, et la raison pour laquelle je suis devenu un esclave. C'est tout parce que j'étais faible. Incroyable. Ad, il est très habile. Je vais le prouver que je ne suis plus faible avec une méthode que je sais faire. Juste regarde. Je vais survivre quoi qu'il arrive. Oh bordel, j'ai réussi. Oh, putain, vous pouvez pas savoir à quel point c'était chiant parce que fallait faire la voix du gros monsieur. Le gros monsieur. Et des deux personnages à la con du flashback, j'avais pas de voix pour eux. Je l'ai fait au feeling. Ah. Donc, vous pouvez très clairement me dire que j'ai fait de la merde. Ça me dérange pas. Mais bon, je suis pas acteur.
Je suis pas comique de professionnel. Je sais pas articuler. Je fais de mon mieux en plus. Donc franchement, si cet épisode vous a pas plu, bah vous pouvez le dire. De toute façon, faites pas chier. Il y a des bulles que j'ai traduites. Vous lisez. Et vous essayez de mettre une voix au personnage. Voilà. De toute façon, j'ai fait pour tout le monde. Pour ceux qui entendent mal, pour ceux qui voient mal, et bah pour ceux qui parlent pas. Oui, parce que ceux qui parlent pas, ils peuvent lire. Enfin, ils peuvent lire ou ils peuvent écouter ce que je dis. Et... Donc voilà. Par contre, il n'y aura pas de déguisé cette fois-ci. Parce que là, j'ai eu trop fatigué. J'ai passé une nuit atroce. Parce que je vais vous dire un truc, je te fais bouffer par des insectes que tu ne sais pas où est-ce qu'ils sont, c'est chiant. J'en ai quoi là? À vue d'œil, j'en ai déjà 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai déjà 10 à vue d'œil. Alors, et encore, je n'ai pas vu tout. parce que là, c'est mon bureau. Et j'ai ma chaise qui grince. Peut-être que je la change un jour. Ah, il n'y avait pas. Par quoi? Parce que j'ai rien d'autre. Non, c'est juste que je m'applique. Bon, alors, donc, voilà. C'était le comic numéro 3 de Hellsworld. Très clairement, si je pouvais éviter de faire l'épisode 4, je le ferais. Parce que l'épisode 4, beaucoup, beaucoup de pages. Je vais finir par décider à cause de ça. Mais donc voilà, merci pour toutes et à tous d'avoir regardé cette magnifique vidéo sur le comic Elsewhere. Parce que je peux vous mentir que je l'aime bien. Ça montre le personnage avec un peu plus de profondeur parce que dans le jeu il est arrogant dans le jeu. Ça veut dire que j'ai pas déjeuné. Pardon. Excusez-moi, je sais, c'est dégueulasse, c'est beau, mais en ce moment, bah, j'ai pas que de l'eau pétillante, alors... c'est pas une excuse, là, ta gueule, le texte 3.0, la merde. Mais donc, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, je remercie les commentaires positifs. Je remercie aussi les commentaires négatifs parce que ça me permet de m'améliorer. Par contre, quand on vient de me dire qu'il faut que je m'achète un microphone, c'est pas possible, les gars. Moi, j'ai pas d'argent. Si je dois en acheter, faut l'accord de mes parents. Et d'être un, c'est très bien que c'est chiant d'avoir l'accord des parents. Ou Erisia, ou Germain 15. Bref. Tous mes potes, le tube, savent que c'est très cher. Pour avoir l'accord. Parce que, surtout que si je prends un micro, moi c'est un casque, un micro que je dois avoir. Et le problème c'est que, bah, j'en ai un, mais je sais pas s'il fonctionne sur PC. Franchement, j'ai testé. De toute façon, il fonctionne pas très bien, pour moi. Mais donc, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je sais, je radote, mais je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Normalement, j'aurais dû avoir le Fallen Kingdoms, mais le problème, c'est que j'ai eu un problème de vidéo, c'est-à-dire que j'ai que un dixième de la vidéo, donc sur, entre guillemets, une heure, j'ai que 10 minutes. C'est fun! J'adore ma vie, putain. Voilà, bon, donc je suis désolé, clairement, je suis désolé d'être là, pour moi, ça s'arrêtera d'être là. Donc je suis désolé de pas pouvoir poster les vidéos de FIFA. C'était marrant de mon côté. C'est François Hollande. Oh, si beau ici. Si pas mal. Voilà, c'était ça moi. C'était totalement ça. C'était je me balade dans Raccoon City. Bah c'est je me balade dans Minecraft. Bon, voilà. Donc vous avez toutes les explications pourquoi je ne mettrai pas de vidéos sur FIFA. Donc ne venez pas me le demander. Merci. Bonne journée. Au revoir.